Salut tout le monde! On voit la deuxième règle de substitution diatonique. C'est le même principe que la première règle, sauf que là, on ne va pas partir du premier degré. On va partir du deuxième degré, qui est donc le Ré mineur 7. Il peut être substitué par son quatrième degré, le Fa majeur 7. Si on part de cette position-là, pour faire le lien avec l'accord de Fa majeur, eh bien, on a cette triade ici, en position de Ré, Ré, Mi, Fa. Et on retrouve bien ces trois notes-là dans le Ré mineur 7. Et si on prend cette position-là, par exemple, du Ré mineur 7 ici, eh bien, on va également retrouver notre Fa majeur ici. Et on a ces trois notes-là qui sont communes. Voilà encore une fois pourquoi ça peut se substituer. Je vous parle majeur, mais donc majeur 7, c'est la même histoire. D'accord? On peut donc tout à fait remplacer notre Ré mineur 7 par le Fa majeur 7. Voilà, la deuxième règle, c'est que donc on peut remplacer le deuxième degré par le quatrième.